aux impôts. Beaumont. Une minute de silence. Avant de mettre à l'honneur certains d'entre nous, fruits.
de leur travail fourni, d'un investissement personnel, même de sacrifices familiaux, c'est le moment de dresser un premier bilan de l'année qui s'achève. L'opérationnel. Je débuterai donc mon premier point par le sentiment que je ressens depuis maintenant un certain temps, celui de constater une forte mobilisation de l'effectif du centre pour assurer à la fois un niveau de disponibilité et celui d'engagement à se mettre au service de la société. Cette année encore, nous avons assuré 100% des premiers. Depuis 5 ans, nous sommes satisfaits et fiers par rapport à notre investissement personnel responsable. Les chiffres. Nombre d'interventions, 320. 225 secours à personne, 40 feux et dégagements, 30 renforts, 17 divers et 13 manœuvres. L'effectif. L'activité de sapeurs-pompiers volontaires repose sur le volontariat et le bénévolat. Il se compose aujourd'hui de 25 sapeurs dans un corps médical composé de 3 médecins. Le docteur Chepeau, qui est docteur à Abja, est avec nous aussi. Le docteur Exavir, qui est absent ce soir. Et le docteur Païs. Et d'une infirmière très disponible, Marceau Isabelle. Deux recrues. En octobre, Bill Dawson et Kevin Salvatore, qui est en stage ce soir. Peut-être un supplémentaire en avril. Les formations. Sur le plan formatif, la totalité du personnel a marqué sa volonté d'entretenir ses connaissances théoriques et pratiques, gage de notre crédibilité et sérieux face à nos concitoyens. Nous comptons 4 chefs d'agré à une équipe supplémentaire. L'infrastructure. Le centre a bénéficié en novembre et décembre d'un rafraîchissement. Peinture intérieure des locaux et d'une mezzanine de rangement financée par le SDIS. La sécurité. Sauver des vies, mais aussi des biens, des emplois pour la vie locale et la vie économique n'ont pas de prix. À l'initiative de M. le sous-préfet, de la gendarmerie et avec la bienveillance de M. le maire, j'ai participé à une réunion de travail sur le marché du mercredi à Piégut. L'objectif étant de déterminer des règles et de surcroît trouver des arrangements avec les acteurs locaux afin de faciliter le passage de nos véhicules au cœur même de ce marché. L'amicale. L'amicale a participé à de nombreuses activités départementales sportives, pétanque, handball, cross, etc. On a organisé le tournoi départemental de foot, mais aussi la sardinade, le loto, le passage de Père Noël, mais tout ça aussi grâce à nos conjoints. Personnellement, je suis sollicitée pour accéder à la promotion au grade de lieutenant. Actuellement, je préfère poursuivre mon engagement en me concentrant sur le bon fonctionnement du centre et l'accompagnement de mes personnels. La fonction de chef de centre est une fonction difficile qui demande beaucoup d'engagement personnel et de responsabilité. Et en plus, est la plus grande satisfaction que je peux éprouver au-delà d'un grade et l'engagement de mes sapeurs-pompiers et le regard admiratif de nos concitoyens lors des interventions. Les remerciements. Mais la priorité, c'est à nos conjoints, pour votre aide au quotidien, votre patience, parfois la solitude de rester seul des soirées entières. Vous avez du mérite. Merci. Merci à mes adjoints et de même à vous tous, les sapeurs-pompiers qui élus. Merci à nos collègues de Nontron, à son nouveau chef de centre, qui j'espère on aura la même collaboration qu'avec les anciens. Une tendre pensée pour toi, Annick, qui va bientôt prendre une retraite bien méritée. Tu vas me manquer. Merci à M. le maire de Piégut, son premier adjoint Pierrot, le conseil municipal pour votre écoute, aide et détermination à défendre votre centre de secours. Merci, commandant Eugénie et au lieutenant Lacour pour le soutien de ces derniers jours. Merci au groupement Marie-Jo, Pascal, Fred. Merci aux employeurs, Franck Terroir, le Savoir du Périgord, AFNER Périgord, la mairie de Piégut, l'Intercom pour les sapeurs-pompiers conventionnés. Merci aux anciens pour votre présence. Merci Alain Bourinet, représentant des anciens, pour ta bonne collaboration. Nous te souhaitons un très bon rétablissement. On sait que tu es courageux. Merci à notre aumônier d'être venu célébrer la messe à Piégut. Merci au bureau de l'Amicale et à son président Jean-Luc
Et je terminerai en te remerciant, Thierry, pour ton soutien pour les retours casernes qui parfois sont difficiles. Tu as toujours su me réconforter et m'encourager. Sinon, je pense que je n'aurais pas continué. Ce soir, je vais recevoir ma médaille de 20 ans et je te la dédie. Après les discours, nous allons procéder à la remise des grades, diplômes et médailles. Depuis cette année, une médaille pour 10 ans de service remplacera celle des 25 ans. Il y aura 6 médailles de bronze, une médaille d'argent, 20 ans de service, et un insigne chef de sang, échelon argent. Une médaille de courage pourrait être remise à notre petit pompier, Lucas Angeau, qui vient de subir une opération. Bon rétablissement, Lulu. Bon courage à sa maman. Petit clin d'œil également pour cette nouvelle année où 2 naissances sont prévues. Bonne grossesse aux 2 mamans, Ophélie et Lauriane. Merci Pascal d'être parmi nous ce soir dans ces moments douloureux que tu viens de subir. Je te présente au nom de tous les sapeurs-pompiers civils nos sincères condoléances à toi ainsi qu'à ta famille. Bonne Sainte-Barbe à tous et à tous, meilleurs vœux à vous et à vos familles. Monsieur le conseiller départementaux, monsieur le maire de Gélu, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant de la brigade de gendarmerie, monsieur l'aumônier du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Dordogne, monsieur le représentant, le président du corps départemental des sapeurs-pompiers, madame et messieurs les chefs de centre, mesdames et messieurs les sous-officiers, caporaux et sapeurs, chers collègues, mesdames, messieurs. Les sapeurs-pompiers de Piégut nous accueillent ce soir pour fêter notre sainte patronne. C'est un moment important qu'ils souhaitent partager avec nous. Un moment tout particulier, car en plus d'être un moment de convivialité, c'est un moment de rassemblement et de reconnaissance. Un moment de rassemblement où l'occasion a été donnée au chef de centre de vous présenter un bilan de l'activité du centre de secours et également de présenter les enjeux à venir pour le centre en 2018. Depuis ma récente prise de fonction, le chef du groupement territorial nord du groupement nord de la Dordogne, j'ai régulièrement travaillé avec l'adjudant-chef Laurence Chabot, et le constat pour le centre de secours de Piégut-Pully est simple. De nombreux indicateurs témoignent de la bonne santé du centre de secours. Ces indicateurs sont aujourd'hui au vert. D'abord, elle a souligné le nombre d'interventions de 2017 a augmenté. Et systématiquement, quasiment à chaque fois, les sapeurs-pompiers de Piégut ont répondu « présent ». Cela a été possible par la grande disponibilité et l'organisation des sapeurs-pompiers de ce centre. Cette disponibilité représente un total de plus de 118 000 heures réparties, comme elle a souligné, sur 25 sapeurs-pompiers, soit une moyenne de plus de 4 500 heures par pompier, ce qui est énorme. Quant à cela, vous devez rajouter le temps qu'ils passent à leur travail et le temps qu'ils passent aussi dans leur famille, parfois au détriment de ce temps-là. Laurence est une des meilleures disponibilités du corps départemental. Je tenais à vous le souligner publiquement devant vous ce soir. Dans plus de 90% des interventions, vous êtes intervenu seul également, sans l'assistance des centres de secours voisins. C'est un second indicateur de bonne santé. Car cette autonomie reflète une bonne dynamique, mais également une bonne formation des sapeurs-pompiers que vous avez devant vous. Comme l'a souligné Laurence, le temps consacré aux actions de formation leur permet d'être autonomes dans les missions confiées, mais c'est également un gage de qualité et un gage de sécurité. N'oublions pas que depuis le début de l'année, 4 sapeurs-pompiers sont morts dans l'exercice de leur mission en France. Cela nous rappelle, s'il en est besoin, la dangerosité de leur mission. Ayons ce soir une pensée particulière pour nos camarades décédés ainsi qu'à leur famille. Un autre indicateur important et la présence significative des membres du 3SM, du service de santé de secours médical. Il a souligné tout à l'heure la présence de médecins et d'infirmières qui apportent une plus-value importante sur un territoire rural, loin de toutes les structures hospitalières. Un autre indicateur, les missions que vous avez réalisées cette année, dans plus de 86% des cas, c'était des missions de secours à personne, ce qui reflète votre engagement et la plus-value que vous apportez. Merci à vous. Chers collègues, avec tous ces résultats, vous illustrez parfaitement le modèle français du volontariat, si singulier mais si précieux. Je vous félicite tous pour ces résultats qui sont à la hauteur de votre engagement. Cependant, au point de victoire hâtive, nous devons nous attacher
à faire perdurer, voire améliorer vos efforts. Nous devons pérenniser la dynamique actuelle et prévenir un éventuel essoufflement. Aussi, je souhaite également remercier les employeurs publics et privés qui consentent à donner du temps à leurs sapeurs-pompiers, à leurs employés sapeurs-pompiers pour exercer cette activité. Sans votre soutien, il n'y aurait pas de réponse de proximité, pas de réponse aussi efficace aux demandes de secours quotidiennes. Aujourd'hui, pour soutenir l'action de la chef de centre et de son équipe, l'inscrire dans la durée, nous devons trouver de nouveaux partenaires locaux de manière à permettre à d'autres sapeurs-pompiers d'être disponibles en semaine, mais également de pouvoir rechercher d'autres employés pour venir gonfler ses rangs. En plus de renforcer cette réponse au personnel, cette réponse opérationnelle, cela permettra également d'alléger la charge qui pèse systématiquement sur les mêmes sapeurs-pompiers. C'est un challenge collectif difficile mais indispensable pour la population. N'oublions pas que les sapeurs-pompiers interviennent pour défendre votre territoire, ils œuvrent à la sécurité de vos proches. Le SDIS mène actuellement un programme ambitieux de réorganisation, une réorganisation qui a un double objectif. La première, c'est une recherche d'amélioration de la réponse opérationnelle, une volonté de faciliter le fonctionnement d'encadrement des chefs de centre volontaires. Le président Serge Mériou et le directeur, le colonel François Colomès, ont décidé donc de revoir les fonctions des services de l'état-major et des groupements territoriaux. Doté d'une équipe plus réduite, avec des missions revues, je vais attacher mon action et celle de mon équipe à soutenir les chefs de centre pour qu'ils puissent se concentrer sur leur mission principale, c'est-à-dire la réponse opérationnelle et la formation. Je souhaite un soutien sur mesure et adapté à chacun des 20 centres de secours du groupement. Et n'hésitez pas à nous appeler, on est là pour vous épauler. Je vous parlais tout à l'heure d'un moment de reconnaissance et de valeur. Cette année, pour la Sainte-Barbe de Piégu, nous allons mettre à l'honneur des sapeurs-pompiers qui voient leur nombre d'années récompensé par la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers pour 10 et même 25 ans de service. Donc, sincère félicitations en avance, chers collègues. Félicitations également aux nouveaux promus pour lesquels nous allons remettre des galons et des diplômes. Merci pour le travail accompli. Le chef de centre évoquait l'esprit de camaraderie qui unit les sapeurs-pompiers de Piégu au travers des actions associatives et amicales, et ce, quelles que soient les générations. Cet état d'esprit permet de partager des moments conviviaux, mais également de pouvoir surmonter ensemble des étapes difficiles de la vie, et des étapes difficiles que peut être amené à traverser un centre de secours. Vous pouvez être fier de ce bien commun et sachez le préserver. Actuellement, cela semble se perdre dans d'autres milieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fête de Sainte-Barbe, vous présenter encore un peu tous mes voeux pour l'année 2018. Vive les sapeurs-pompiers de Piégu, vive les sapeurs-pompiers du corps départemental. Merci de votre attention.